comme de l'or en fusion, sertis dans la nuit. Des carats de lave qui s'écoulent sur plus de 4 km. À 1400 mètres d'altitude, le piton de la fournaise s'est fissuré et laisse échapper son magma. C'est la 5e éruption de l'année. Certains touristes et habitants ont marché plus de 2 heures dans la nuit pour assister de tout près au spectacle. Son et lumière. Ça valait le coup au bout du compte. Le spectacle est grandiose, comme d'hab, on l'entend. Donc, on le voit, on l'entend, il n'y a pas mieux. Quoi. Ça fait un peu peur, hein. On dirait l'apocalypse, mais c'est magnifique. C'est super chouette, c'est la plus belle éruption qu'on ait vue jusque-là. Ce matin, les coulées se sont rapprochées, à moins de 500 mètres de la route. Mais déjà, l'éruption baisse en intensité, peut-être plus que quelques heures, pour écouter la terre grésiller.